Patrick. J'aimerais préparer un dessert spécial avec du lait et du chocolat en utilisant des équipements de cuisine sécuritaires. As-tu un truc pour moi? J'ai une recette de pudding au chocolat non seulement délicieuse, mais facile à faire. Alors, pour faire ce pudding au chocolat, t'as besoin d'un fourneau? Non! D'une baguette magique? Non! De lait, de pépites de chocolat, de fécule de maïs, de sel, de l'extrait de vanille, une grosse tasse et un micro-ondes? Oui! Ben oui. Faut bien cuisiner avec quelque chose. Commence par mélanger 3 cuillères à table de pépites de chocolat avec 2 cuillères à thé de fécule de maïs. À ce mélange, ajoute une pincée de sel, une cuillère à thé d'extrait de vanille et une demi-tasse de lait. Bien mélanger le tout avec une fourchette et on place la tasse dans le four à micro-ondes pour une minute. On sort la tasse et on mélange de nouveau, puis on replace la tasse dans le four à micro-ondes, cette fois ici, pour 30 secondes. Sors la tasse de nouveau. On mélange. Là, on va retourner la tasse dans le four à micro-ondes pour un autre 30 secondes. Puis on va répéter ça jusqu'au temps que le mélange soit très bien épais et à notre goût. À partir de ce point, il faut bien le surveiller parce qu'il a tendance à vouloir déborder. Tu peux maintenant garnir ton pudding au chocolat avec la crème fouettée ou simplement le manger comme ça. Hé, Patrick! Tu m'en laisses un peu?